Andreas Orton, tu dois forcément jouer à Burnley. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a l'actualité du football béninois, on a tout ici, toutes les informations. Donc ce qu'on vous demande, c'est juste de liker, de vous abonner au bâtiment, parce que si vous ne likez pas les vidéos, la chaîne n'ira pas de l'avant. Vous avez vu, la chaîne est parmi mes 8 chaînes YouTube, elle est parmi les dernières chaînes, la chaîne béninoise sportive, parce que mais non, likez vidéo là, parce que vous ne vous abonnez pas. Il y a des gens qui suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Vous ne partagez pas les vidéos. C'est pourquoi la chaîne est classée dernière. Cette chaîne est parmi les dernières. J'ai oui, chaîne YouTube. La chaîne là est parmi les dernières chaînes, s'il vous plaît. Donc, faut pas que le Bénin soit toujours derrière. Pour que cette chaîne puisse être première. Parce que si c'est dans les dernières, pour faire du contenu, c'est difficile. C'est difficilement, on revient faire des contenus. Donc, encouragez-nous à travailler pour le football béninois. Si vous ne nous encouragez pas, il y a deux chaînes, il y a les showbiz ivoiriens, il y a beaucoup de chaînes sur lesquelles on est. Donc voilà, et Andreas Rontondi et Burnley, ils ont commencé le championnat, ils ont joué la première journée. Et Andreas Rontondi n'a pas joué alors qu'il doit jouer. Vous voyez, contre Cadiz déjà, il était rentré à la 60e minute. Le guépard, un match amical, hein, 60e minute. Et vous voyez, ça c'est pas du tout bien. Et vous voyez, Burnley a gagné 4-1 à l'extérieur face à Luton. Et il n'a pas joué. Et dans cette situation, quand l'entraîneur voit ça, lui, il va reconduire le même. 11 entrants la prochaine journée. L'entraîneur a donné la chance, bien sûr, aux autres et ils ont convaincu. Ça veut dire que Andreas Rontondi a de sérieux problèmes là. Est-ce que l'entraîneur le veut réellement, le voulait réellement dans le club? Qu'est-ce qui se passe dans ce club là? Il faut que nous, notre guépard, puisse jouer. Andreas Rontondi doit être titulaire à Burnley. Deuxième division en Angleterre et pourquoi il ne va pas jouer? On ne nous a pas annoncé des blessures. On nous dit qu'il n'a pas joué. Non, non, non. Ça, c'est pas bien. Andreas Rontondi, c'est une pépite. C'est notre guépard, c'est notre chouchou. Il ne peut pas rester au banc. Quel championnat, deuxième division en Angleterre? Non, non, il ne peut pas rester au banc. Parce qu'en France, il était pressenti jouer la Ligue 1 française. Maintenant, regardez ce qui se passe là-bas. Il faut que son club puisse revoir rapidement leur copie hein, pour que le guépard puisse jouer. Moi j'ai titré d'office. J'ai titré Andreas Rontondi doit jouer parce que c'est un joueur qui me tient véritablement à cœur. Parlant de joueurs, c'est bien Soukou. Il est double passeur décisif, bien sûr, en Ligue 2 turque avec son club Emrani Yespor, bien sûr. Ils affrontaient un club 3-0 victoire. Il a fait la première passe à la 55e minute et la deuxième passe à la 80e minute. Il a boxé 90 minutes pour Sébio Soukou. Ils sont premiers actuellement. 3 points, goal différentiel en plus 3. Vous voyez, Sébio Soukou, bon, Guénotron ne veut pas du joueur, Guénotron ne veut pas de lui. Bon, les gens sont en train de mettre des systèmes sur Facebook, des schémas tactiques. C'est-à-dire comme quoi, Sébio Soukou et Ola étant derrière Andreas, Toussaint et Mouillé. De regarder l'effet que ça va donner, oui. Mais l'entraîneur a dit que Sébio Soukou, son style de jeu est un peu lent. Que lui veut de la vivacité, veut de la jeunesse au milieu de terrain. Double passeur décisif. Ça veut dire que Sébio Soukou, il a la passe, bien sûr, dans les jambes. On se souvient, comme si c'était hier, la passe que Sébio a fait, bien sûr, à David Jigla. On se souvient. Et vous voyez, il n'est pas là. Bon, si Guénotron peut le voir un peu, sa copie et faire jouer le joueur, ce serait très très bien. Pourquoi pas le rappeler, même s'il ne va pas être titulaire. Ce serait quelque chose. Parce qu'on est en train de perdre ce joueur-là, petit à petit, comme ça. C'est bien Soukou. Vous voyez, ils ont gagné, bien sûr. 3-0, victoire. Et, en tout cas, ils sont premiers pour le moment. Et le championnat vient de commencer aussi. Deuxième division turque, donc on doit encore attendre pour voir ce qui va se passer. À ce niveau-là, ce qui est sûr, ça va jaser. On ira chez les dames Aude Gbedisi, bien sûr, avec le Racing Club de Lens. Aude Gbedisi, elle est en train de faire feu de tout bois, la meilleure buteuse, bien sûr, de cette équipe de Lens. Et vous voyez, contre Racing Union, ils ont gagné 5 buts à 2. Et vous voyez, c'est un match amical, Aude Gbedisi. Et elle a pris les rênes, bien sûr, de cette équipe de Lens. Et c'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans l'équipe-là, il faut le souligner. Maintenant, si elle peut chercher d'autres challenges encore plus élevés que Lens, bon, ce serait très très bien. Et de ne pas rester là tout le temps, vous voyez, c'est ce qui tue un peu nos footballeurs ou bien nos footballeuses. Elle va rester dans sa zone de confort, elle sera là et elle ne va plus chercher d'autres clubs. Il faut qu'elle cherche en gros maintenant. C'est au top d'ici. C'est Elou Zerbo, c'est un Burkinabé. Il est l'actuel entraîneur, bien sûr, de CNSS Sport. CNSS Sport qui est devenu, bien sûr, bon, en tout cas. Étoile filante qui est devenue CNSS Sport. CNSS, la S Cotonou n'appartient plus à la CNSS. La CNSS est allée prendre une autre équipe, étoile filante, parce qu'ils ont soulevé, bon, paraît-il, hein, des cas de mauvaise gestion et tout. Voilà. Et l'entraîneur, c'est l'ancien coach, bien sûr, de la Santé Cotonou, c'est Elou Zerbo. Et
les Burkinabés, il devient entraîneur de la CNSS Sport. Bon, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il va faire la magie au niveau de la CNSS par rapport à cette équipe d'étoiles filantes? Certainement, ils auront beaucoup de moyens cette fois-ci et ils sauront comment mettre ça, je suis au profit de ce club-là. Et notons que c'est un club qui est venu dans l'élite il n'y a pas très longtemps. Et c'est un club qui est ambitieux et bon, c'est l'un des clubs de second couteau, hein, de seconde zone, mais il savent bien sûr faire ce qu'il peut faire. Parlant de CNSS, bon, après le départ, parlant de AS Cotonou, s'il vous plaît, après le départ de la CNSS, il y a des joueurs qui sont en train de déserter le forum, mais parce que est-ce que la masse salariale peut encore supporter ces joueurs-là? C'est dans ce cadre que ce joueur Godfrey Wilson, le attaquant de l'AS Cotonou, il doit aller de l'autre côté de l'ASVO. On l'annonçait de l'autre côté de Coton FC, mais il ira à l'ASVO parce que vous voyez, il a besoin d'argent. Peut-être qu'il était à un salaire de 200 000, 250 000 et la CNSS est partie. Je suis sûr que les salaires ne seront pas les mêmes. Je ne sais pas si une société a déjà pris l'AS Cotonou, mais il est parti. Il est en train de partir, bien sûr, à l'ASVO. Parlant de transfert aussi, à Bayomi, et pressenti bien sûr à l'AS Vita Club, latéral gauche de Dadier. Tout le monde est pourquoi Dadier s'est qualifié, les gens sont en train de quitter. Ghislain Aoudou a déjà quitté et maintenant le latéral gauche à Bayomi est aussi en train de quitter. Parlant de Ghislain Aoudou, la transition est toute trouvée. Son club a joué en amical contre l'Espérance Sportive de Tunis et bon, ils ont perdu 2-0 s'il vous plaît. Et Ghislain n'est pas titulaire, il est rentré à la 57e minute, mais ils avaient déjà pris les deux buts avant qu'il ne rentre, c'est ce qui est bien. Et l'entraîneur est en train de tester les systèmes, les schémas tactiques. Il faut que Ghislain Aoudou puisse être titulaire dans cette équipe. On ne veut pas que nos gars soient remplaçants dans les équipes. On veut qu'ils soient titulaires, qu'ils jouent véritablement. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Et parlant de l'AS Vita Club, notons que Ogulola, Ibrahim Ogulola est en train de faire forte sensation là-bas. Il a déjà boxé 2 matchs amicaux. L'AS Malolé, 1 but partout. Il a boxé 50 minutes et 45 minutes face à l'AS Oto. Ça, c'est l'équipe phare, bien sûr. L'une des équipes phares de l'autre côté du Congo. 1 but partout. Et vous voyez, les joueurs sont en train de progresser. Les joueurs sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, il faut que bon, Ibrahim Ogulola et compagnie puissent bien s'armer pour jouer le championnat congolais parce que c'est pas un championnat pas facile ce championnat là. Et voilà les quelques informations qu'on a sous la dent. Certainement on reviendra au cours de la journée par rapport à d'autres infos et soyez câblés, soyez scotchés. On est là pour bosser avec vous, on est là pour faire les choses avec vous. Et bon, en tout cas, on se dit à tout à l'heure pour d'autres infos. Ciao. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseil en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.